Yop tout le monde, c'est Edro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode My Team. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de cette saison. On va aller au Grand Prix de Chine aujourd'hui, juste avant, on avance un petit peu dans le calendrier. Pas mal d'activités prévues, quelques petites améliorations que ce soit sur la voiture ou sur les infrastructures. Et vous venez de le voir, on a reçu notre nouvel, alors c'est notre nouveau banc de test du coup, notre nouveau centre de fiabilité entre guillemets. J'ai pas, malheureusement, j'ai oublié de l'enregistrer. Du coup, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Vous le verrez demain, j'ai totalement zappé de l'enregistrer au montage. Et du coup on verra du coup demain toutes les améliorations. À la fin de cet épisode on améliorera aussi un autre département. Donc demain voilà, il y aura pas mal de nouveautés. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'hier, je vous invite à aller le voir et rattraper un petit peu votre retard les potes. C'était le Grand Prix du Vietnam, un bon Grand Prix où d'ailleurs on avait déjà reçu la nouvelle soufflerie aujourd'hui. Donc c'était le nouveau banc de test. Et demain on aura, j'espère, une nouvelle infrastructure. Alors Grand Prix du Vietnam qui s'est quand même bien passé avec une bonne stratégie une nouvelle fois, on est rentré dans les points, on a terminé 8ème si je me souviens bien, donc ça reste un très bon résultat pour ma voiture. On a terminé devant notre rival, mais malheureusement c'est pas suffisant parce qu'Ocon en qualif en fait fait toujours la différence et on est toujours loin derrière au face à face. Donc au moins on gratte des points par-ci par-là en début de saison, c'est très important. Nick avait eu un bon week-end, malheureusement je l'ai un petit peu ruiné son week-end avec mon pit stop où je l'ai bloqué pendant au moins 10 secondes. Je lui ai totalement ruiné sa course. Donc il va falloir que je m'améliore surtout sur les stratégies et rentrer au bon moment pour pas gêner Nick, parce que déjà que de base l'IA a du mal sur les stratégies. Alors si en plus tu viens lui compliquer la tâche en le bloquant dans les stands, ça complique forcément la chose. Comme vous l'avez vu, un petit accident, rien de dramatique, on va perdre je pense 10 000, 20 000 peut-être, 20 000 $. Mais bon écoutez, c'est pas grave, hein. Je poussais la voiture. Honnêtement, elle est pas catastrophique la voiture. Il y a moyen de sortir de la Q2. En tout cas, je suis à l'aise avec la voiture maintenant. À voir ce que ça va donner. Nick a pas fait de relais de qualif pendant les essais. Donc je sais pas trop si Nick est rapide ou pas. J'ai remarqué que ça monte beaucoup moins vite quand tu commences à monter en niveau. Là, je suis niveau 13, l'équipe niveau 16. Et ça devient quand même compliqué d'augmenter les niveaux. Je rappelle que niveau 20 de l'équipe, on obtient un dernier sponsor, un cinquième sponsor. Alors forcément, on va me dire ouais, mais non, t'as déjà mis des sponsors avec le mode, etc. Oui, mais dans le jeu, un cinquième sponsor ça me ferait encore plus de revenus. Et bien évidemment si j'ai un cinquième sponsor, je le rajouterai sur la voiture. D'ailleurs la voiture qui changera, je l'ai dit dans le dernier épisode, la voiture changera lundi, on aura une petite modif, on va bosser dessus ce week-end. Et du coup on se retrouve aujourd'hui en qualification en Q1 avec des pneus tendres. On a fait une petite erreur avant la longue ligne droite, là on est monté un petit peu sur le vibreur, on va arriver à l'épingle, on va peut-être gêner un petit peu la McLaren juste derrière. Et ce premier tour va nous donner une première, une sorte de benchmark, un petit peu un repère pour voir. Oh, les derniers virages n'étaient pas très très bien là, on n'est pas bien passé. Et sur la ligne, on est derrière De Vries. On est pour l'instant 17ème, 3 dixièmes. On est à 3 dixièmes de Nick pour l'instant. Ocon 16, what? Ok, Ocon va sûrement améliorer. Et nous, il va falloir qu'on améliore aussi. Du coup, il va falloir trouver au moins une demi-seconde là. Une demi-seconde pour aller chercher Lance Stroll. Pour l'instant, Nick De Vries est qualifié. Mais j'ai peur que Ocon améliore et que d'autres comme Grosjean ou Raikkonen améliorent aussi. Et on repart du coup en fin de Q1 pour tenter donc un deuxième relais. Et pour l'instant, on n'améliore pas de beaucoup ce premier secteur. On avait gagné un petit peu dans le premier escargot. Malheureusement, en sortant de l'escargot, justement, j'ai perdu un petit peu de temps. On est en avance néanmoins sur Nick De Vries. Ah non, il va falloir garder cette avance. Ouais, on a perdu un peu de temps. Pour l'instant, c'est pas grand chose. C'est un petit dixième. Il me faudrait un peu plus histoire d'être safe, comme on dit, d'être rassuré. Allez, on va gagner 2 dixièmes, là on est pas mal, très compliqué, hein. Le secteur 2 avec la voiture, vous savez que cette voiture souvient beaucoup sur le jeu, et forcément, les secteurs 2 où on a besoin beaucoup que l'avant en fait grippe, l'avant s'accroche directement pour pouvoir changer de direction, c'est un petit peu difficile, et malheureusement on a perdu un peu de temps, et on est à 2 dixièmes maintenant que de Nick De Vries, c'est dans le deuxième secteur où on a perdu du temps, et voilà Giovinazzi justement qui a amélioré, Giovinazzi qui passe P15, Nick tombe P16, et nous on va essayer d'améliorer, mais là c'est pas beaucoup, hein. Et Nick qui est repassé, non pardon, Raikkonen est passé P17, on tombe un petit peu au classement, on va quand même améliorer, mais c'est pas de grand chose, il nous aurait fallu une demi-seconde, et là pour l'instant on l'a pas du tout. Allez, on va terminer ce tour en espérant que ça suffise. Allez, 3-10, oh, j'ai freiné très très tôt, ah non, je me suis loupé, je me suis totalement loupé. Aïe, 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 on va perdre du temps, je me suis loupé à l'épingle, il fallait freiner un chouïa plus tard et essayer d'emmener un peu plus de vitesse.
Et sur la ligne, ça va être à peine un dixième. Ouais, deux dixièmes sur la ligne, ça va pas suffire pour sortir de la Q1 à mon avis. Et non, on est éliminé. Et De Vries va passer pour un petit dixième. Voilà, le petit dixième à l'épingle. Ça va me coûter la Q2. Écoutez, c'est pas grave. De Vries va passer. Et du coup, c'est la deuxième fois cette saison. Hein. Deuxième fois sur quatre courses que Nick De Vries passe en Q2. Pas mal, franchement. Pas mal le retour sur investissement avec, avec Mick Schumacher qui lui ne sortait jamais de la Q2. Alors forcément, Esteban Ocon est passé lui aussi en Q2. Donc on perd 18 à 14 pour l'instant. Le face à face, il va falloir, essayer de trouver des solutions. De toute façon, je vous l'avais dit en début de saison, hein, la Renault, ça va être compliqué à la battre. On augmente un petit peu la popularité de l'équipe et on va du coup partir tout de suite pour ce Grand Prix en Chine, à Shanghai. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Sachant que les virages 1 et 2 de Shanghai sont difficiles à négocier, une piste glissante risque de compliquer encore les choses et voir les pilotes perdre beaucoup de temps. C'est au virage 14 que l'on a les meilleures chances de doubler, mais il faut quand même que la météo s'améliore, autrement les pilotes ne pourront pas profiter du DRS. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course, merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie des stands il y a quelques minutes à peine, que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut-être plus nombreuses. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Ricciardo, Sebastian Vettel et Leclerc, Ocon, Perez, Sainz et Alexander Albon, Stroll, Norris, Daniel Kvyat et Gasly, Giovinazzi, Julien, Romain Grosjean et Kimi Raikkonen, Russell, De Vries, Latifi et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Alors, déjà beaucoup de choses aujourd'hui, déjà il pleut pour la première fois, vous pouvez voir que les manteaux sont sortis, il pleut pour le départ. Donc là, ça va être la première fois qu'on va rouler sous la pluie avec cette voiture. Et Nick De Vries a été pénalisé, il a pris une nouvelle boîte de vitesse, donc 5 places de pénalité, car il n'a pas encore effectué 6 grands prix avec la même boîte. Donc il partira 20ème, bonne nouvelle, j'espère qu'il n'aura pas de pénalité à Monaco du coup. Donc si on arrive à faire un bon résultat et que la voiture est pas mauvaise, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Nous du coup on part P16 entre Giovinazzi et Romain Grosjean. Et c'est la première fois qu'on va rouler avec ces pneus intermédiaires. Alors ça va être un petit peu ça va être la découverte hein, tout simplement. Ça va être la découverte. Quand il y a eu des essais sous la pluie, je les ai pas fait car ça m'était pas utile jusqu'à maintenant. Vietnam, Bahreïn, Australie, on n'a pas eu de pluie. Là ça va être la première fois qu'on va rouler avec ces pneus à bande verte. Alors normalement la pluie devrait s'arrêter au fur et à mesure de la course. Ça devrait s'atténuer et s'arrêter à un certain moment. Donc on va surveiller ça. Peut-être encore une fois je vais sur la stratégie. Alors là du coup quand tu mets des pneus intermédiaires, pour ceux qui ne le savent pas, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au stand. Vous pouvez faire toute la course avec ces pneus intermédiaires. Ça va juste être impossible clairement. On va beaucoup glisser, les pneus vont très vite s'user. Et en plus si la pluie s'arrête, les pneus vont avoir du mal à refroidir. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire en termes de stratégie. Si la pluie va s'arrêter, ça peut être intéressant d'aller jusqu'au bout du relais, enfin jusqu'à que la pluie s'arrête et ensuite passer directement des pneus tendres ou des pneus médiums. Donc à surveiller les stratégies. Ricardo P4, une nouvelle fois les Renault très très bien positionnés. Hein. Les Renault qui pour l'instant font le meilleur début de saison depuis je pense facilement les années 2005-2006 parce que là pour l'instant ils ont fait podium première course, ils enchaînent les top 5, ils battent les Red Bull, ils battent les Ferrari des fois. Donc là vraiment Renault instoppable, je sais pas qui va les arrêter, en tout cas on va venir s'installer sur la grille, on s'installe P16 aujourd'hui pour la première fois sous la pluie et on se retrouve dès l'extinction des feux. Et c'est parti, et le départ forcément, et honnêtement on est bien parti, honnêtement c'est un bon départ, regardez on a tout de suite trouvé le grip avec les pneus intermédiaires, on va passer, et on va tenter, attention avec Pierre Gasly, on va se mettre à l'intérieur, on voit pas grand chose au premier virage, à l'intérieur on va passer, et on a passé deux voitures, il y avait Giovinazzi aussi à l'extérieur, on est passé, et maintenant on va essayer de se trouver une position, attention à l'accrochage avec Gasly, on s'est touché, et on a une AlphaTauri, c'est Gasly il me semble, Gasly à l'intérieur, le contact, léger contact, rien de dramatique, tout va bien, et on est déjà P13.
3 places de gagner. Et attention, maintenant on va peut-être pouvoir passer sur Lando Norris. On va pas passer malheureusement, il va falloir attendre un petit peu devant Albon sous la menace. Et Lance Stroll qui va tenter peut-être par l'extérieur, tout le monde côte à côte. Allez, est-ce qu'on peut tenter quelque chose aussi par l'extérieur, drapeau jaune, forcément tout le monde est à l'arrêt sous la pluie. C'est un petit peu compliqué. Eh, pour l'instant c'est passé, hein. Malgré un bref drapeau jaune, il n'y a pas eu d'accrochage ou quoi, j'ai l'impression, pas d'accident. Et du coup nous on s'en sort plutôt bien pour l'instant. P13, et quand même mine de rien, ces pneus intermédiaires qui soulèvent beaucoup d'eau, hein. On a un petit peu de difficulté à avoir les points de freinage. Allez, devant Albon, qui, je sais pas, Albon, j'ai pas regardé en quelle position Albon était parti, mais P11, c'est un mauvais résultat là pour l'instant pour la Red Bull. Il avait déjà abandonné au Vietnam et il est mal positionné pour l'instant dans ce Grand Prix de Chine. Et forcément, Gasly qui va profiter de mon erreur. Gasly qui va profiter de la petite erreur à l'intérieur. Est-ce qu'on peut enrouler peut-être par l'extérieur? Et on va récupérer justement dans le virage suivant l'intérieur et ça repasse. On repasse sur le compatriote français. On repasse tranquillou P13. Ah, il va falloir s'accrocher, hein. Il va falloir s'accrocher. J'ai aucune idée du rythme pour l'instant qu'on a avec cette voiture comparée au midfield. Alors j'ai mis un petit peu moins d'essence, comme vous pouvez le voir, j'ai mis moins 0,50 tours, tout simplement parce qu'on va pas utiliser le mélange riche très souvent. Forcément on va utiliser le mélange standard, voire pauvre, à plusieurs moments, vu qu'on va être sous la pluie et qu'on n'a pas envie que les roues arrière patinent. Et on voit, il n'y a pas beaucoup d'espacement, hein. Personne ne tente quoi que ce soit, vraiment tout le monde attend pour l'instant, personne n'ose vraiment. Allez, on va terminer ce premier tour, Lewis Hamilton toujours en tête et on n'aura pas trop galéré. En vrai ça va, hein, le grip est bon pour l'instant, ça va. Maintenant il va falloir faire attention à pas faire d'erreur. On l'a vu plusieurs fois la voiture un petit peu glisser. Il faut que je prenne, je pense, une habitude surtout pour pas perdre la voiture et pas perdre trop de temps. Et après normalement les dépassements se feront au fur et à mesure. Il n'y aura pas de DRS, ça va être problématique parce que là la vitesse de pointe de notre voiture, vous le savez, elle n'est pas hyper bonne. Elle n'est pas hyper bonne, donc pour dépasser sous la pluie, je pense qu'il va falloir prendre un petit peu de risque. Et justement en parlant de risque, on monte un petit peu sur le vibreur. Allez, ça glisse justement, ça glisse. Vous voyez les énormes glissades que je vous disais. Il y a un drapeau jaune devant, attention. Et c'est une Mercedes. C'est une Mercedes, c'est Lewis. Non, c'est Valtteri Bottas, pardon. L'abandon de Valtteri Bottas, il est au ralenti. Et attention, Gasly qui va tenter par l'extérieur la Mercedes. Et c'est fini. Après seulement deux tours, la catastrophe pour Bottas. Et c'est fini, safety car. Safety car dès le deuxième tour. Après seulement deux tours, Valtteri Bottas qui abandonne. Alors là, ça par contre, ça va coûter très très cher à Mercedes. On va revoir, on va en profiter pour voir les replays du départ et on reverra bien évidemment après la casse moteur, j'imagine, de Valtteri Bottas. Incroyable, deux tours seulement pour Bottas avant que la voiture s'arrête. Et on revoit mon dépassement, on était à 3 de front, hein. On était à 3 de front. Allez, ça a été compliqué, et c'est Gasly, hein, qui tentait bien l'extérieur là. Gasly qui est resté à l'extérieur. Oh, pff, c'est risqué, hein. C'était très risqué. Ça aurait pu mal finir avec Piro là, ça aurait pu mal. Allez, petit contact, je vous l'avais dit, on s'est touché. On s'est touché, Daniel Kvyat qui a été le grand perdant du coup à cause de son coéquipier. Kvyat qui a perdu beaucoup de positions. Allez, on va revoir le départ. Honnêtement, j'ai tout de suite trouvé le grip. Alors, c'était pas le départ de l'année, mais honnêtement, le départ est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais le départ est pas dégueulasse sous la pluie pour le coup. J'ai eu des départs un peu plus compliqués. Et alors là, toujours, hein, si je peux vous donner un tip, si vous avez la possibilité de prendre l'extérieur dans ce virage, c'est toujours le plus simple. Regardez, Gasly qui était loin derrière, regardez, il se retrouve à ma hauteur. Il se retrouve tout simplement à ma hauteur. Alors là, c'est vrai que j'ai un petit peu fermé la porte pour essayer de bloquer l'IA pour pas qu'il me fasse un dive bomb. Mais normalement, vous pouvez enrouler facilement. Et c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu avoir aussi Lando Norris si j'avais pas glissé à la accélération. On va revoir le départ justement de Pierrot, le français. Lui, vous voyez, il a eu un petit peu plus de mal, hein. Il a eu un peu plus de patinage. La voiture a eu du mal à gripper. Il se retrouve un petit peu en sandwich. Et là, vous voyez, il y a une énorme place à l'extérieur. Ouais, non, on se touche déjà là. Ouais, non, on se touche beaucoup. Même il y a eu beaucoup de contact avec Pierre Gasly. Et là, en fait, il y a énormément de place. Et en fait, vous êtes obligé de récupérer l'intérieur. Regardez, même si je le tasse, en fait, il est quand même à l'intérieur. Donc, vous pouvez passer par l'extérieur. Après, attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous tourne dessus. Ça peut être risqué aussi parce que du coup, vous finissez dans le gravier. Et on va revoir justement l'abandon de Valtteri Bottas dès le deuxième tour. Alors, il n'y a pas de. Ah, ici, il me semble qu'il y a une casse moteur. Hein. Alors, je sais pas si avec l'eau. Je sais pas si c'est de la fumée. Non, pour moi c'est du moteur. Ah oui, non, pour moi c'est une casse moteur. Le moteur qui part en fumée, le moteur à combustion interne du coup qui a lâché. Grosse, grosse mauvaise nouvelle là pour les moteurs Mercedes. Va falloir faire attention devant. Il y a eu Hamilton du coup qui se retrouve seul. Jusqu'à maintenant, Mercedes avait remporté 100% des courses. Hamilton maintenant qui va devoir se débrouiller tout seul. Plus qu'une voiture. Allez, on repart. Les pneus avant sont gelés. J'ai essayé au maximum de faire des burn-out. Ce qu'on appelle des burn-out, c'est de faire tourner les roues, patiner sur soi en gros. Et malheureusement, les pneus avant, j'ai pas réussi à les chauffer. Ça va être compliqué, hein, ces premiers virages à 61 degrés. Ah non, il faut être aux alentours des 70 pour avoir des pneus, on pourrait dire frais. Là, à 60 degrés, ils sont quasiment gelés. Non, ça va être difficile, mais ça devrait revenir. Ça devrait revenir, il n'y a pas de panique à se faire. Ça va remonter au bout de quelques virages. Et du coup, on a gagné une position avec l'abandon de Valtteri Bottas. On est P12 maintenant, et regardez, on a du mal à tourner. Gasly qui a essayé de mettre son aileron pendant une petite seconde.
et devant Norris Albon aussi qui a des difficultés. Hein. Albon qui ne remonte pas pour l'instant. C'est pas facile pour Red Bull. Et pourtant ils ont une bonne voiture. Hein. Pourtant ils ont une bonne voiture et on se retrouve deux tours plus tard. Au 7ème tour désormais. On est toujours derrière Lando Norris. Il pleut toujours aussi fort. Malheureusement, c'est pas facile, hein, je vous assure, là, c'est compliqué de dépasser, déjà sur le sec, on n'arriverait pas forcément à rattraper les McLaren qui sont plus rapides, alors sous la pluie pour aller dépasser, ça va être difficile, je pense qu'on va passer pas mal de tours comme ça à se suivre et à s'observer, tout va jouer peut-être sur la stratégie encore une fois, ça va, on n'est pas mauvais sur la stratégie, attention, attention, oh non, 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 la grosse erreur, allez, on va revenir, on n'a pas perdu de position, mais Gasly va forcément pouvoir nous attaquer. Alors on va perdre 2 secondes là sur Lando Norris. La grosse erreur que je viens de faire. Allez, on va essayer de mettre le mode dépassement pour se protéger comme on peut de l'AlphaTauri. Allez, pour l'instant tout va bien. On arrive à garder cette 12ème position malgré le gros blocage de roue, pardon. Et forcément, les petites erreurs. Hein. On essaye de pousser la voiture au maximum. On essaye de trouver la limite. Ah, j'ai fait un chouïa trop tard peut-être. Un peu trop tard le frein. Et bon, ça va, rien de cassé. Tout va bien. Vous inquiétez pas, on continue. Et Gasly qui aurait pu tenter. Je pense qu'il y avait eu le DRS, peut-être que Gasly serait passé. Et encore, là pour le coup, c'est pas le cas, justement. Et on voit un Gasly qui me voit traverser l'herbe. Est-ce qu'il aurait pu? Non, je suis pas sûr. En vrai, je pense qu'il était un chouïa trop loin pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Et on se retrouve toujours derrière Lando Norris. Ça ne bouge pas pour l'instant. On est toujours 12ème, au 10ème tour, justement. On n'a pas changé de position, pas réussi à l'attaquer. C'est pas possible pour l'instant. Et on va essayer une nouvelle fois. Et on fait attention, maintenant je fais plus les mêmes erreurs forcément, on apprend de ses erreurs, on freine un chouïa plus tôt. Le problème c'est qu'avec cette voiture j'ai deux problèmes en vrai, en termes de performance, c'est que de 1, à la réaccélération elle est très mauvaise, c'est très difficile de mettre le plier à fond sur l'accélérateur. Et de 2, elle souvire beaucoup, donc en entrée et en sortie de virage, j'arrive pas à gagner du temps et notre voiture est pas forcément la meilleure en termes de châssis, elle est pas mauvaise. Mais on l'a connu mieux, donc c'est très compliqué pour l'instant d'avoir un avantage sur qui que ce soit. Et ça se voit, on est toujours deuxième pour l'instant. Au 12ème tour, ça fait maintenant 10 tours qu'on attend. Ça a pas bougé. Et d'ailleurs, par contre, Gasly n'arrive pas à s'accrocher. Gasly perd beaucoup de temps comparé à nous. Et Lewis Hamilton qui abandonne. L'abandon de la Mercedes. Oh, l'abandon de Lewis Hamilton. C'est terminé pour Lewis Hamilton, drapeau jaune. Safety car. Incroyable, les deux Mercedes. Et les deux Mercedes qui abandonnent aujourd'hui, c'est terminé pour Lewis Hamilton au même endroit. Au même endroit, Lewis Hamilton qui va abandonner, c'est fini. C'est fini pour les voitures allemandes. Incroyable, les deux Mercedes, aucune Mercedes ne remportera la course aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour Lewis Hamilton? On va revoir dans tous les cas. Ça va nous aider là, parce que regardez, au 12ème tour, on va pouvoir rentrer au stand. Et je pense que tout le monde va rentrer au stand. Tout le monde va box du coup à cause de Lewis Hamilton. Ah, il était en tête, hein, Lewis Hamilton. Et non, allez, pas de fumée cette fois-ci. J'ai pas l'impression que le moteur est lâché, c'est peut-être autre chose. En tout cas, l'abandon des deux Mercedes aujourd'hui. Aucune Mercedes ne montera sur le podium et on va avoir un nouveau vainqueur cette saison. Aïe, 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 la fiabilité des moteurs Mercedes. Ça va être un problème, hein. Ça va devenir un problème si dès le 4ème Grand Prix, ça commence à lâcher. Oh, attention à Lando Norris qui freine tôt. Est-ce qu'on peut peut-être dépasser Lando Norris dans les stands? Non, ça va être difficile, on va pas trop jouer. Et du coup, l'abandon de Lewis Hamilton, incroyable. Les deux Mercedes sur casse moteur, c'est même pas un accrochage ou quoi, hein, vraiment casse moteur. Ah, Leclerc qui perd beaucoup de temps. Leclerc a perdu beaucoup de temps. Alors, on va voir où on ressort. Il me semble que la McLaren a été bloquée par la Red Bull. Allez, les pit stops, come on. Ah, 2 secondes 5, on est un peu gêné. Et on ressort devant Stroll, vamos, on gagne des places en plus. On ressort 12ème, mais c'est 12ème, enfin c'est pas 12ème virtuellement, on ressort pour l'instant 12ème. Mais une fois que tout le monde va s'arrêter, je pense qu'on va gagner des positions. Ah là, la très bonne stratégie, encore une fois, on s'arrête au bon moment. Allez, on va repartir à la fin du 14ème tour. Plus de Mercedes, désormais c'est Verstappen. Verstappen devant, je crois, Ricardo. Je sais pas si c'est Ricardo ou Ocon. En tout cas, Verstappen, une Renault, une Ferrari et une Racing Point qui complètent le top 4. Derrière, on a la McLaren, je pense, de Carlos Sainz, du coup. Allez, ça repart au 14ème tour et on va essayer de s'accrocher à Alexander Albon maintenant. Charles Leclerc a perdu beaucoup de temps, il est 10ème maintenant. Drapeau vert et j'ai l'impression que la pluie s'est arrêtée. J'ai l'impression que la pluie s'est arrêtée là. Alors, on va revoir s'il y aura un onboard. Eh ouais, non, il ne pleut plus. Oh non, attention à cette erreur une nouvelle fois. Hein, les pneus avant très froid. Attention à ces premiers virages. Et il ne pleut plus. Donc là, d'ici, je sais pas combien de tours, 3, 4, peut-être 5 tours, la piste devrait s'assécher et on devrait pouvoir passer les pneus tendres ou les pneus médiums. Et attention une nouvelle fois. Hein, toujours à la réaccélération, ça glisse beaucoup. Et les intermédiaires qui pour l'instant sont les plus rapides. Donc on va rester en pneu intermédiaire. Mais on voit là que ça commence. Il ne pleut plus. Il n'y a plus d'eau sur la voiture. Et il va falloir. Oh, attention. Attention justement à la correction. Ah non, De Vries.
non, non, pourquoi il rentre au stand? Aïe, 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 on est à 2 tours, même pas, on est à 3 tours d'avoir une piste sèche. Et De Vries qui rentre au stand, là, il y avait moyen de faire un bon résultat pour Nick aujourd'hui. Fallait pas le faire rentrer, là. Oh, c'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage. Regardez, le 17ème tour, là, il ne pleut plus, il y a plus d'eau qui est soulevée par les voitures. Il aurait pu tenir encore 2-3 tours, Nick. Ah, oh, il va repartir tellement loin, De Vries. Il va repartir tellement loin. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Il faut faire avec. Et là, pour l'instant, il... non, là, c'est quasiment sec. Hein. Là, c'est quasiment sec. On va pouvoir boxe. Hein. On va pouvoir boxe. Regardez, la piste est sèche. On va pouvoir rentrer au stand. On améliore pour l'instant les deux premiers secteurs. Et Albon va de plus en plus vite. On va prendre le pari. Alors, on va rentrer pour des médiums. On va voir quel type de pneus on va prendre. Il reste 10 tours. 10 tours en médium, ça se fait large. Est-ce que des... Eh oui, ça rentre au stand. Ça rentre au stand devant Verstappen dans les box. Il va être suivi forcément, voilà, de la Renault. Tout le monde va rentrer au stand. La Ferrari, la Racing Point, la McLaren. Et non, il y en a un qui continue. Il y a une Renault qui continue. Je sais pas c'est qui, ça doit être Esteban Ocon du coup. Alors, à voir qui était en tête. Et on rentre au stand nous aussi du coup. Tout le monde dans les stands. Tout le monde est dans les stands. Alors attention parce que là, ça va bloquer de tous les côtés. Qui va perdre des positions, qui va en gagner? On va voir. Oh, j'espère qu'on va en gagner honnêtement. Leclerc s'arrête. Il va peut-être être un peu bloqué par les AlphaTauri. Ah, il y a peut-être moyen. On est loin. On est loin. Il est là l'avantage. On est loin dans la pit lane. Regardez. On est très très loin. Ah, les pneus étaient bouillants. Hein. Les pneus étaient bouillants. Come on, come on, come on, come on. Une seconde 8. Ah, allez, une seconde 8. C'était parfait. Et on ressort devant Leclerc. On ressort devant Leclerc. Et Nick, non, non, Nick dans les stands encore. Nick De Vries qui fait un deuxième arrêt. Ah, oh, c'est dur, c'est dur. C'est dur, Nick De Vries. Une nouvelle fois hein, sur la stratégie. De Vries qui fait des bonnes courses et qui perd à chaque fois tout sur la strat. Et regardez, on revient. On revient sur Kimi. On est désormais 8ème. On est désormais 8ème. On est devant Leclerc et Albon. Allez, il va falloir se débarrasser du Raikkonen là. Il va falloir se débarrasser de l'Alfa Romeo très rapidement. Et regardez, au 18ème tour désormais. DRS activé, bien évidemment. On revient sur Raikkonen. Et normalement, on est plus rapide que l'Alfa Romeo maintenant. Normalement, on doit aller plus vite que Raikkonen. Et surtout qu'on va avoir la pression derrière, il y a Vettel et Albon. Alors l'avantage c'est qu'ils vont se battre entre eux. Donc ça, ça va me laisser un peu de temps. Allez, on va utiliser le DRS, mode dépassement activé. Il y a des pilotes dans les stands une nouvelle fois. Et on va voir où on se retrouve après les arrêts de tout le monde. Et pour l'instant on peut pas, on a un chouïa trop loin. On est vraiment un chouïa trop loin. On va peut-être pouvoir, oh par l'extérieur peut-être. Par l'extérieur, regardez, par l'extérieur, magnifique. On va rouler par l'extérieur, c'est fait. On passe par l'extérieur dans le premier virage. Et on récupère la 7ème position, magnifique dépassement par l'extérieur, tout en douceur. Incroyable, on récupère. Eh, Ocon qui est en médium devant, Ocon est en pneu médium. Alors, on va essayer de rattraper Esteban Ocon, il reste 8 tours. On va revenir, Ocon va être plus lent, Ocon va être le plus lent là sur le circuit. On est tous en pneu tendre, pourquoi il a mis des pneus médiums? Ah, l'erreur de Renault, il va perdre beaucoup, beaucoup de temps du coup. Et on va revenir, on va avoir le DRS. Et regardez l'essence, on revient à peine dans le vert, c'est parfait. Là pour l'instant, on fait la course parfaite en termes de gestion. Allez, DRS activé. Non, on est un chouïa loin pour l'instant. On est un chouïa loin. Allez, il va falloir attendre quelques tours. Il va falloir attendre quelques tours. Mais regardez au freinage comment on revient. On revient super vite sur Esteban Ocon. On va peut-être pouvoir encore une fois battre Ocon là. Les sponsors vont être contents aujourd'hui. On va encore se faire un petit peu d'argent. Et est-ce qu'on va pouvoir l'attaquer directement sur la ligne des stands là? Enfin, sur la ligne des stands, sur la ligne d'arrivée, pardon. DRS activé. Il est loin, 5 dixièmes. On a le même moteur, Esteban Ocon. Ah, regardez, il commence à prendre de l'avance. Ah, et le pneu qui commence à surchauffer. On va devoir lâcher un petit peu. Oh, ça re-rentre au stand. Ça re-rentre au stand pour Verstappen et Ricciardo. Ça re-rentre au stand pour les leaders. Eh oui, les pneus tendres vont peut-être pas tenir en fait. Ocon a peut-être fait le bon pari. Oh, les pneus tendres, il reste encore 6 tours. Il reste encore 6 tours. Ça fait quoi, 5-6 tours qu'on les a déjà? Ah, ça va peut-être être un peu juste en effet. Et du coup on va passer, regardez, on va repasser. Eh oui, fenêtre d'arrêt au stand ouverte. On a, oh non, on aurait dû passer les médiums. En fait j'ai passé les pneus tendres quand j'ai vu tout le monde mettre des pneus tendres. Je voulais passer des médiums au début. Je m'étais dit qu'avec des médiums j'étais tranquille. Et j'ai vu mettre tout le monde des pneus tendres. Du coup je me suis dit, bah vamos, tout le monde va faire la même erreur. Et bah enfin je pensais pas que c'était une erreur à l'époque. Encore je pensais que c'était la bonne stratégie. Et malheureusement Ocon maintenant en tête du Grand Prix. Esteban Ocon est en tête du Grand Prix de Chine. Avec seulement 5 tours restants. Ah non, les pneus fatiguent hein. Ah, les pneus fatiguent. Ah, les pneus vont être morts sur la fin de course. Bon, de toute façon, on va pas... Vous connaissez la devise, hein. Vous connaissez la devise chez Hydro Racing Team. On va pas s'arrêter. Un arrêt, c'est du temps perdu. Donc, on va essayer d'aller au bout avec ces pneus tendres. Il va juste falloir réduire un petit peu le rythme, tout simplement. Et Leclerc à l'aspiration. Et Leclerc qui va se décaler, il va plonger. Charles Leclerc qui plonge à l'intérieur. On va le laisser passer. Est-ce qu'il va rentrer au stand ou pas? En vrai, je pense qu'il va rentrer au stand. Je pense qu'il va boxe comme son coéquipier l'avait fait. Et du coup Leclerc qui rentre au stand. Et oui, Leclerc rentre au stand. Tous les pilotes ayant passé des pneus tendres vont box. Albon est dans les stands aussi. Et Richard, Raikkonen pardon, Raikkonen continue lui aussi. Raikkonen il a rien à perdre. Kimi Raikkonen il a rien à perdre aujourd'hui. Bien sûr qu'il va aller au bout avec ses pneus tendres.
Ah et malheureusement Raikkonen n'aura pas tenu longtemps. On se retrouve au 25e tour, un petit peu plus loin dans le deuxième secteur. Et maintenant Verstappen revient. Forcément c'est une course contre la montre maintenant pour la Red Bull. Il faut rattraper Esteban Ocon. Oh là 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 là, ça va être une bataille Red Bull-Renault. On va avoir une bataille Red Bull-Renault pour la victoire aujourd'hui. Les Mercedes sont au tapis. Les deux Mercedes sont abandonnés. Et Verstappen qui essaie de se décaler. Moi je vais protéger hein, les gars. Moi j'ai rien à perdre. Il reste 3 tours. 3 tours à défendre. On va protéger notre gagne-pain comme on peut. Eh, il y a Ricardo aussi, hein, est revenu. Ricardo, attention, il va falloir se méfier. On va avoir une bataille à 3 là. La bataille va être très très chaude. On va faire ce qu'on peut pour résister. Et forcément, on va longer la ligne blanche pardon, pour casser l'aspiration. DRS activé pour Verstappen. Et derrière, dans les rétros, c'est Ricardo qui revient. Le moteur Renault. Regardez la différence du moteur Renault. Ricardo qui va passer. Verstappen qui plonge à l'intérieur. Attention, le contact. Le contact avec Ricardo. On s'est touché. Et à l'accélération, il s'est loupé. On va rester pour l'instant deuxième. Ocon 7 secondes. La très très bonne. Je retire tout ce que j'ai dit sur Renault. La très bonne stratégie. Esteban Ocon avec 3 tours restants. 3 tours restants pour le français. Pour l'instant, c'est un doublé français, les gars. Pour l'instant, c'est un doublé français. Ah, Verstappen va pas me lâcher. Hein. Verstappen va pas me lâcher. Oh non, non, les pneus, je tire tout droit. Malheureusement, ça s'ouvre. Et Verstappen qui va tenter par l'extérieur. Max Verstappen dans les premiers virages qui va tenter d'enrouler. Et c'est Ricardo qui en profite. Ricardo qui passe à l'intérieur qui en profite. Et sur moi qui va voilà essayer d'en profiter. Sur moi aussi. À l'accélération, il est plus rapide. Et par l'extérieur à l'épingle. À la fin du premier secteur, Ricardo qui va tenter. Et attention parce que Verstappen maintenant va décroiser. C'est Verstappen qui décroise cette fois-ci. Et Verstappen qui fait exactement pareil. Par l'extérieur à l'accélération qui va passer. Et cette fois-ci, ça passera pas non plus sur moi. Oh là là, ça va être compliqué. Hein. Les deux derrière vont pas me lâcher. Verstappen qui met sa roue. Attention à ne pas se toucher. Le contact une nouvelle fois. On va pas lâcher. On va forcer à l'intérieur. Et Ricardo qui redécroise. Ricardo qui repasse à l'intérieur. Oh, la bataille. La bataille entre les anciens coéquipiers de Red Bull. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il reste encore le 27e et le 28e tour. Et le blocage de roue. Et Ricardo est passé. Ricardo est passé sur Verstappen. Ah, les pneus sont morts. Hein. 50%. Les pneus, il reste 2 tours. Ça va être très très difficile. Allez, on va essayer de tenir une nouvelle fois et on va entamer l'avant-dernier tour, 27e tour. Pour l'instant, les Renault et la Hydro Racing Team sont sur le podium. Et Ricciardo, il est bien plus rapide. Hein. Ricciardo est très très rapide et il va passer. Daniel Ricciardo qui monte. Ricciardo qui va monter en deuxième position avec le meilleur tour pour l'instant. Ah non, on va essayer d'enrouler. On va essayer d'enrouler par l'extérieur. Est-ce qu'on peut tenir la ligne? Les deux n'accrochent plus du tout, on n'a plus de grippe. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, Ricciardo va passer. Oh non, Ricciardo va passer. Incroyable, oh, et attention la voiture qui décroche. La voiture qui décroche, Ricciardo qui s'envole et qui prend la deuxième position. On part sur un doublé Renault. On part pour l'instant sur un doublé Renault. Allez, Verstappen qui n'est pas passé. Verstappen qui aurait pu plonger à l'intérieur. Ça aurait été peut-être le meilleur choix. Et malheureusement il est resté à l'extérieur. Allez, on va essayer de tenir, on va essayer d'aider tout simplement bah, nos potes de chez Renault, hein. On va pas se mentir, hein. Le moteur Renault il est dans notre voiture aussi. Donc c'est une bonne chose que Renault l'emporte. Incroyable, incroyable. Un seul être vous manque et tout le monde est perdu. Mercedes n'est pas là. Et il va passer, non il est trop près, il est trop près, il va passer Verstappen, il est trop près. Aïe 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 aïe, il est très, non il va passer, on va tenter par l'extérieur. Oh non, on s'est loupé une nouvelle fois. Au même virage, on a tiré tout droit. Oh non, on perd le podium. Bon, faut pas se leurrer non plus, hein, vu la voiture et vu les pneus aussi, c'est compliqué. On va peut-être perdre le podium, on va essayer de marquer un maximum de points. Dans tous les cas, on est dans le top 5 pour l'instant. C'est exceptionnel, vu la voiture qu'on a. Ouais, tout le monde revient, tous les pilotes qui se sont arrêtés là sont en train de revenir. Maintenant c'est la Ferrari qui revient, c'est Sébastien Vettel. Et on peut pas réattaquer, on est trop loin de Verstappen. Aïe 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 aïe, c'est dommage, on aurait pu avoir un podium. Oh, ça glisse beaucoup les pneus. Ça glisse énormément, on aurait pu avoir un podium 100% moteur Renault, c'est dommage. Et Verstappen qui ne gagnera toujours pas sa première course cette saison. Verstappen qui va échouer à 3 secondes 5 de Ricciardo. Et nous on entame le dernier tour avec la Ferrari derrière nous pour l'instant. On est entre une Red Bull et une Ferrari, on tient une 4ème position. C'est incroyable pour l'instant le début de saison qu'on est en train de réaliser. Et heureusement aujourd'hui qu'il y a eu la pluie et des safety cars. Parce que là je pense que vu le rythme qu'on avait sous la pluie, on n'aurait pas pu marquer de points. Et Vettel, hein. Vettel qui va forcément tout tenter dans la longue ligne droite, hein. Il va attendre au bon moment avec le DRS. Il va m'attaquer dans le DRS. Oh quoi, attention, mode dépassement activé. Sébastien Vettel qui va plonger. Vettel qui plonge dans le dernier tour à l'intérieur côte à côte avec la Ferrari. Et à la réaccélération. Et on va perdre la bataille. On va perdre la bataille de Fred Sébastien Vettel. On va essayer de le tasser sur l'extérieur. Et Vettel voilà, à l'extérieur qui s'est loupé. Ah, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, vous enflammez pas. C'est pas terminé, oh cette fin de course. Cette fin de course je m'en souviendrai par contre. La bataille avec Ricciardo et Verstappen. Allez, il va falloir tenir, on n'a plus qu'un secteur à tenir. C'est le dernier secteur, une longue ligne droite. Oh, il est collé Sébastien Vettel, il va passer comme Verstappen. On peut pas résister. Et le blocage de roue, et Vettel qui va nous tasser. Oh, qu'est-ce qu'il fait Vettel? Oh, attention à ne pas s'accrocher dans le dernier tour.
Allez, dernière ligne droite. On va essayer. Regardez, je peux pas accélérer. Je peux pas mettre la pédale. Ah, ça tourne pas. Ça tourne pas. On va utiliser tout le reste, toute la batterie qu'on a. On va la vider. On aura le DRS mode riche sur l'essence. Et ça va peut-être pas suffire. Ça va peut-être pas suffire. La dernière tentative de ce Grand Prix de Chine. Un Grand Prix totalement fou. Par l'extérieur, peut-être on va rouler. La victoire d'Esteban Ocon. La victoire du Français. Et Vettel qui va nous tasser. On va pas pouvoir repasser sur Sébastien Vettel. Et c'est un doublé de Renault. Le doublé de l'équipe Renault. Incroyable. C'est exceptionnel ces résultats. On va voir le tableau final. On termine du coup P5. On termine 5ème à ce Grand Prix de Chine. Incroyable. Phénoménal. J'ai pas d'autres mots. Encore une victoire pour Renault aujourd'hui. Impressionnant. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. Leur monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. L'écurie est sans doute soulagée de constater que le moteur n'a pas grillé vu sa longue exposition au flux d'air chaud des autres véhicules. Ils n'ont pas hésité à solliciter les pneus, surtout dans les virages, ce qui leur a permis de freiner plus tard et d'effectuer des dépassements spectaculaires. Nous retrouvons les vainqueurs de cette course fantastique. Voici une écurie qui a souvent connu le succès en F1 et son enthousiasme demeure intact. Félicitations à Renault pour cette splendide victoire aujourd'hui. La victoire d'Esteban Ocon, ça y est, un nouveau Français monte sur la plus haute marche du podium. Du coup, la victoire de Renault, c'est la première depuis leur retour en Formule 1, le doublé de l'équipe Renault. C'est le carton plein pour Renault, meilleur tour pour Daniel Ricciardo. Stratégie parfaite, tout simplement, il n'y a rien à dire. On voit que trois pilotes ont fait deux arrêts, c'est Raikkonen, moi, Esteban Ocon. Malheureusement, Raikkonen n'a pas tenu la cadence. Nous, on a réussi à s'accrocher, on a eu un peu de chance avec Verstappen et Ricciardo de pouvoir les retenir pendant quelques tours. Mais waouh. Waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, Verstappen P3 devant Sébastien Vettel. On termine 5ème du coup en partant P16. Alors, on a eu beaucoup de chance encore une fois. L'abandon d'Hamilton tombe au bon moment. Ça me permet de boxe et mettre des pneus frais. Tout le monde boxe en même temps. Et surtout au moment du pit, tout le monde, enfin, quand je dis tout le monde, c'est Leclerc, Albon, etc. Tout le monde s'est fait bloquer au stand. Là où moi, j'ai pas été gêné dans les stands. Et du coup, j'ai pu ressortir devant tout le monde. Si on descend tout en bas, du coup, on retrouve Perez, Sainz 6ème et 7ème. Leclerc 8ème, Albon 9ème. Norris prend le dernier point. Nick De Vries, malheureusement, voilà, P17, c'était compliqué la stratégie pour lui. Et les deux abandons, les deux Mercedes, incroyable! Les deux Mercedes qui abandonnent dans les 10 premiers tours, c'est exceptionnel! Et regardez au classement pilote, regardez qui est à égalité avec Lewis Hamilton, c'est Daniel Ricciardo, les deux Renault qui sont les vraies menaces de cette saison pour l'instant. Les Ferrari ne sont pas dans le coup, les Red Bull encore moins, donc pour l'instant. Ricciardo et Ocon sont les réelles menaces de Mercedes parce que regardez, Bottas est seulement 4ème à égalité avec Ocon. Donc là, waouh! Waouh, waouh, waouh! Parce que du coup, au constructeur, ça va être pareil, ça va être égalité entre Renault et Mercedes. On va voir ça juste après. Nous, on est 8ème, pardon, à 29 points, du coup, devant Perez, Sainz et Albon. Albon, 11ème pour l'instant. Très très mauvais début de saison pour Alexander Albon qui ne s'en sort pas. Je sais pas si c'est la voiture qui est mauvaise parce que Verstappen en soi a que 5 points de plus que moi. Mais waouh. Après on va pas se mentir, il y a eu des courses quand même assez what the fuck depuis le début de la saison. Mercedes donc en tête devant Renault à égalité. Renault tient tête à Mercedes cette saison. C'est exceptionnel les gars, vous vous rendez compte ou pas? Genre vraiment ça me hype de fou là que Renault arrive à tenir tête à Mercedes. Derrière on retrouve Ferrari et Red Bull. Et on est donc pour l'instant 5ème avec 3 points d'avance sur McLaren, Racing Point avec 5 points d'avance et AlphaTauri à 14 points. Donc waouh, 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 ce Grand Prix quand même hyper intéressant. J'espère qu'il vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires parce que moi en tout cas à conduire au début je vous avoue sous la pluie c'était galère de ouf, c'était très difficile, je prenais pas trop de plaisir parce que bah pas de dépassement, pas de stratégie etc. Et ensuite il y a eu l'abandon des Mercedes, il y a eu l'abandon de Bottas au deuxième tour, il y a eu l'abandon de Hamilton au dixième tour, au douzième je sais plus. Donc forcément bah là ça relance un peu la course, ça fait un nouveau vainqueur. Ensuite la pluie s'arrête, la safety car, enfin c'était quand même assez, c'était quand même très très stylé. Bon, on va gagner un peu de thunes. Nick De Vries a perdu un peu d'argent. On n'a pas coûté d'argent. Je suis choqué avec l'aileron cassé en séance d'essai. J'ai pas,
J'ai pas coûté d'argent. Bon, bien évidemment, j'ai pas terminé devant mon rival. Hein. Mon rival a mis un sacré coup au moral là, par contre, avec la victoire. Bravo à lui, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Ocon a fait une très très bonne course. J'ai pas pu. Enfin, impossible de tenir Ocon. En fait, quand j'étais en pneu tendre et que les pneus marchaient bien, j'ai commencé à attaquer Esteban Ocon et les pneus ont commencé à surchauffer. Et je me suis rendu compte, quand tout le monde a boxe, je me suis dit, écoute, t'as deux options. Soit tu attaques et tu espères rattraper Ocon, mais tu vas devoir boxe ou à la fin de la course, tu seras en galère. Soit tu lâches un peu, tu laisses Ocon s'envoler en pneu médium et tu essayes d'assurer les pneus et tu les ramènes, tu ramènes la voiture à la maison. J'ai décidé de faire la deuxième option, de pas attaquer Ocon et de ramener la voiture. Et je pense que j'ai bien fait. Je pense que vu le résultat aujourd'hui, j'ai bien fait. Si j'avais boxe, bien évidemment, hein, si j'avais fait comme tout le monde et que je m'étais arrêté une fois de plus, j'aurais terminé, je pense, 9-10e. Donc c'est comme d'hab, les gars, la voiture est pas là, mais on est intelligent, on profite des situations, on est opportuniste et c'est ce qu'il faut. Petite amélioration du coup pour le moteur, mine de rien, on remonte, on commence à remonter. J'aurais bien aimé avoir une upgrade sur l'aéro, on va en prendre une parce qu'en aéro on est encore un peu loin, on va pas se mentir, on est quand même assez loin du top, donc on va essayer de développer l'aéro assez rapidement. Châssis, on est au milieu, donc en vrai ça va, ça passe, on devrait rattraper AlphaTauri d'ici donc le 6 mai. D'ici le 6 mai, on devrait encore remonter dans le midfield. Mais c'est tellement serré en fait le midfield pour l'instant que même si on n'a pas la voiture, il suffit de faire une bonne stratégie, avoir une bonne safety car au bon moment ou quoi, et t'es tranquille. On va développer le marketing parce que Jennifer toute seule dans son bureau, elle me fait un peu pitié toute seule la pauvre. Et lors du prochain épisode, donc demain soir, vendredi à 18h30, on fera le tour des infrastructures pour faire un petit peu le point pour voir où on en est. Bon, on va se quitter là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, avec une course pareille, vous pouvez pas me dire que la course était pas ouf, franchement. À commenter, en tout cas, ça a été un pur plaisir. J'espère que les vidéos comme ça vous plaisent, bien commenter avec de l'action. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode du Mode My Team. En attendant, passez une bonne soirée, passez une bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.